Eh bien, bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Ici, Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur, les mâles de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Surtout une bonne santé de fer et la vie. Pour que nous puissions vivre vieux. Car c'est le souhait du Créateur de nous laisser en vie jusqu'à la vieillesse, pour que nous puissions partir par la vieillesse. Bienvenue sur la chaîne Soccer pour les femmes. Ici, Maître P, votre avocat, mesdames. Prenez votre petit carnet et écrivez. Vous savez, dans la vie, il arrive des fois qu'il y a des gens. Ça, c'est contre les persécutions qui sortent de partout. Vous ne savez pas qui est qui. Qui vous persécute. Qui vous embête. Ça, c'est une recette terrible, simple, et l'efficacité sans appel. Vous ne savez pas qui vous embête. Vous savez qu'il y a des gens, peut-être que vous êtes dans le travail, les gens vous embêtent, vous ne savez pas qui, mais vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous allez prendre une feuille de papier RAM, papier A4. Et avec n'importe quel stylo ou crayon, vous allez marquer les 26 lettres de l'alphabet dessus. Vous avez besoin d'une bouteille de vinaigre blanc. Le vinaigre qu'on prépare dans la nourriture, mais du vinaigre blanc. Même si la bouteille en plastique ou en verre, c'est pas grave, mais dès que c'est une bouteille de vinaigre blanc. Donc, une fois que vous avez marqué les 26 lettres de l'alphabet sur la feuille de papier, vous allez l'enrouler comme ça. Vous allez bien, vous l'enroulez comme ça. Vous l'enroulez. Vous avez écrit juste les 26 lettres de l'alphabet. Maintenant, vous avez votre bouteille de vinaigre là. Vous ouvrez la bouteille de vinaigre. Tout neuf, hein, bouteille de vinaigre neuf que vous avez acheté soit au supermarché, vous l'avez acheté quelque part, bouteille de vinaigre blanc, je dis bien vinaigre blanc, une feuille de papier format A4. Vous avez écrit dessus les 26 lettres de l'alphabet, A, B, C, D jusqu'à Z. Vous écrivez ça comme ça, pour utiliser tout le long du papier, de la feuille, c'est pas grave. Maintenant, quand vous avez fini, il n'y a pas de jour pour faire ça parce que les ennemis, quand ils vous tombent dessus, il n'y a pas de jour. Quand vous avez fini, vous allez ouvrir la bouteille de vinaigre et vous allez faire rentrer le papier dans la bouteille de vinaigre en disant, au nom de l'alphabet, mes ennemis visibles et invisibles, connus et connus, je veux que vous me collez la paix au nom du grand Adonai. Je veux que vous me collez la paix au nom du grand Adonai. Je veux que vous me collez la paix au nom du grand Adonai. Vous dites ça trois fois. Faites ça entrer dans la bouteille de vinaigre. Ensuite, vous prenez le bouchon, vous le bouchez. Quand vous le bouchez, s'il y a du monde dans la maison, bon, à ce moment-là, vous cherchez un tissu noir. Vous enveloppez la bouteille, vous l'attachez bien. Et il faut impérativement avoir un frigidaire chez soi. Si vous avez un congélateur, c'est encore mieux. Mais si c'est pour utiliser un congélateur, il faut que la bouteille de vinaigre soit en plastique. Si c'est un frigidaire, vous allez le mettre au frigidaire, il faut que la bouteille soit en verre, la bouteille de vinaigre. Parce que si vous mettez une bouteille dans un congélateur, ça va exploser. Donc le but, il ne faut pas que ça se casse. Donc une fois, je vous dis, vous avez fait rentrer le papier dans la bouteille de vinaigre. Donc si c'est pour le mettre au congélateur, vous le mettez dans une bouteille de vinaigre en plastique, vous bouchez le bouchon, vous vopez avec un tissu noir et vous le faites rentrer dans le congélateur. Vous dites, je me suis débarrassé de tous ceux qui veulent de mon mal, tous ceux et celles qui veulent de mon mal. Vous pouvez rajouter d'autres choses, mais tous ceux qui veulent mon mal, mon malheur, je m'en débarrasse. Et vous mettez ça, vous gardez ça dans le congélateur. Maintenant, si c'est, vous n'avez pas de congélateur et c'est au frigidaire que vous pouvez le mettre, vous prenez une bouteille de vinaigre, mais en bouteille en verre. Vous le mettez, le papier dedans, vous le bouchez, vous le mettez au frigidaire, vous l'enveloppez avec du tissu noir, vous dites la même chose. Et vous verrez, au fur et à mesure, vous laissez ça là, pendant, comme nous sommes en 2020, vous laissez ça jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, vous regardez un petit peu votre situation par rapport à vos ennemis et autres, comment ça se passe.
Parce que c'est des choses qui ne doivent pas rentrer dans une nouvelle année. Ça, c'est des petits secrets que je vous donne. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans une nouvelle année. Il y a des... Je vais toujours vous préciser. Si ça rentre dans une nouvelle année, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est quelque chose, ça arrive 31 décembre minuit, ça ne fonctionne plus. Donc, 31 décembre minuit, ou peut-être 31 décembre au cours de la journée, vous pouvez enlever ça et jeter. Pour recommencer début du mois de janvier, et comme ça, vous le faites encore, parce que je vous ai dit, c'est chaque 6 mois. C'est 2 fois on fait ça dans l'année. C'est très important cette histoire-là. Ou alors, si vous ne pouvez pas le faire 2 fois dans l'année, vous le faites une seule fois dans l'année. Parce que là, nous sommes à la fin de l'année, vous pouvez faire ça maintenant. Et vous attendez la fin de l'année et vous enlevez ça dans le frigidaire ou bien dans le congélateur et c'est fini. Et vous-même, vous allez voir l'effet. Quel que soit l'ennemi, puisque son nom, forcément, son nom doit figurer dans l'alphabet. Et porte un nom, cette personne, cet ennemi. Donc, il sera frappé par la tradition, par le grade de Naïk et les chefs des esprits rebelles. Parce que ce sont des rebelles, non, c'est des gens qui font une sorte de banditisme spirituel. Donc, ils vont être frappés par la tradition. Donc, mesdames, c'était votre avocat. Je vous donne des choses qui sont juste claires, nettes, précises. Ne rentrez pas en contact avec moi. Tout est dit ici. Les recettes sont complètes. Faites-les, ça marche. Je vous l'ai toujours dit. Et je vous répète toujours la même chose. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Activez la cloche de notification pour chaque nouvelle vidéo que je sortirai pour vous. Je vous ai dit, je vous donnerai tout. Tout, c'est tout. Les hommes aussi peuvent s'abonner. Puisque je sais qu'il y a des hommes qui sont abonnés sur la page Secret pour les femmes. Et aussi, les femmes, vous pouvez aller vous abonner sur la page Secret pour les hommes aussi. Les liens sont de la barre de description, ainsi que dans la NTV pour les infos. Parce que bientôt, je vais reprendre les infos. Pour l'instant, je suis en train de juste collecter certaines informations pour vous donner des infos bien corsées, bien comme il faut. Sur ce, je vous dis, mesdames, c'était votre avocat, Maître P. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous et que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer. Et surtout, respectez les mesures barrières parce que la pandémie, le virus est toujours présent. Nous n'avons qu'une vie. Il n'y a personne qui est parti, qui est revenu. Ça n'existe pas. Prenez soin de vous. Restez en vie pour voir demain. C'était Maître P.